Une super histoire de sorcière. C'est l'histoire d'une sorcière. Mais nous, on l'a remplacée par une princesse, puisque une sorcière, ça fait trop peur avec son nez crochu et ses verrues. Son gros chapeau pointu est remplacé par un cartable. C'est plus sérieux pour venir à l'école. Cette sorcière porte des vêtements noirs et des chaussures bizarres, à talons pointus. Mais notre princesse porte de jolies couleurs et des paillettes, car c'est plus tendance. Et en plus, j'ai peur du noir. Oui, la princesse va souvent changer de tête, car plusieurs filles de la classe voulaient jouer ce rôle. La sorcière a les cheveux en pétard. Mais la princesse est toujours bien coiffée. Elle se déplace sur son balai magique la nuit. Mais un enfant a besoin de 10 heures de sommeil pour être en bonne santé. Alors la princesse va à l'école en trottinette, c'est plus chouette. Et elle met un casque, même si ce n'est pas très pratique avec la couronne. La sorcière est souvent accompagnée de ses animaux préférés. Chat noir qui fait peur, rat, crapaud ou chauve-souris. Une princesse préfère un gros matou tout doux. Viens mon chaton. Ou un petit lapinou. Oh, comme il est mignon, tu veux une carotte? Ou un bon gros toutou. Oh, c'est un bon chien, ça. Elle vit seule dans un sombre manoir roté. Mais comme c'est trop triste, nous, on préfère la montrer dans la cour de l'école, là où elle joue à faire tous ses amis. Elle récite des formules magiques, maléfiques, mais à l'école, on récite plutôt des poésies. Où on chante, c'est plus joli. 3, 4. Il y a du brouhaha dans le potager. Oh, et il y a du brouhaha dans le potager. Hé hey! Elle prépare des potions magiques dans un grand chaudron. Mais comme ce n'est pas très appétissant, la princesse prépare une bonne soupe de légumes du potager. C'est plein de vitamines et ça fait grandir. Enfin, la sorcière jette de vilains sorts pour transformer un humain en crapaud. J'aimerais quand même bien jeter un sort à la maîtresse. Et qu'on fasse tous la fête! C'était une super histoire de sorcière, non?